J'avais annoncé donc pour cette année la poursuite de mon cours sur les villes d'Asie centrale, mais bon, un accident de santé imprévisible début février m'a tenu éloigné du collège pendant 3 mois. Donc ce cours sera reporté à l'année prochaine. Et cette année, je ne donne, à côté du séminaire avec Étienne de la Vessière et Samra Azarnouch sur famille et maisonnée en Asie centrale, d'après les documents auxquels j'aurais commencé à participer, je ne donne qu'un cours cette année, c'est celui-là. Et donc, ça n'est pas en rapport direct avec les villes d'Asie centrale. J'ai choisi le sujet de la redécouverte de l'art manichéen. À cause de la venue à Paris de mon collègue et ami, le professeur Yutaka Yoshida, ici présent, qui va donner ici 2 conférences, dont la deuxième sera justement sur ce sujet, à propos d'une œuvre particulière. Donc j'ai pensé que ça pourrait être utile de présenter, disons, de manière générale, le dossier de cette redécouverte qu'on peut qualifier d'une des plus grandes découvertes récentes dans l'histoire des religions eurasiatiques. La redécouverte massive de l'art didactique manichéen. Cet art a ressurgi sous forme de peintures, donc de peintures destinées à l'enseignement, qui avaient été réalisées en Chine du Sud, entre le XIIe et le XIVe siècle, transporté ensuite au Japon, où elles ont été identifiées comme manichéennes seulement au cours des 10 dernières années. Auparavant, elles étaient tenues pour bouddhiques. Donc l'œuvre principale dont je vais beaucoup parler, ce que j'appelle le PowerPoint de Mani, qui est donc le diagramme de l'univers. Alors, ça, c'est l'œuvre en entier, c'est un rouleau de soie, enfin un tissu de soie suspendu destiné à l'enseignement. Ça, c'est la partie supérieure et ça, la partie inférieure. Vous me direz légitimement, mais enfin, qu'est-ce que cela a à voir avec l'intitulé de ma chaire sur l'Asie centrale ? En fait, ça a à voir, parce que ces peintures ont un lien de filiation démontrable avec les seules peintures manichéennes connues auparavant, celle trouvée au début du XXe siècle par la mission allemande au Xinjiang, notamment à Kocho, et qui date de l'époque de l'Empire ouïghour, 9e, 10e siècle. Une peinture murale, la seule. Il y avait une seule peinture murale, une scène paradisiaque, et il y avait par ailleurs 28 images mobiles, fragmentaires, sur soie ou papier, qui sont au musée asiatique de Berlin. J'aurais dû montrer en fait la reconstruction digitale. Donc ça, c'est l'état actuel. Voilà des élus manichéens, voilà des fidèles. Et ce qu'on ne voit pas, mais que le traitement informatique a permis de retrouver, c'est la main divine ici et un symbole ici. C'est l'extraction des particules de lumière en direction du Père de la Grandeur. Thème théologique manichéen. L'enseignement manichéen, s'étant toujours appuyé sur des images, on peut être assuré que déjà des choses analogues se voyaient dans les monastères manichéens d'Asie, de Bactriane, de Sogdiane, entre le VIe et le Xe siècle, où nous savons par divers témoignages que ces monastères, notamment à Samarcande, formaient une composante importante de la société urbaine et du paysage urbain. Ils sont mentionnés par les géographes arabes. Alors, un petit retour en arrière. Depuis le début de l'étude moderne du manichéisme, on a poursuivi 2 folles espérances. La première, trouver où le manichéisme s'était éteint, ou peut-être n'était pas complètement mort. Deuxième espérance, retrouver la peinture autographe de Mani, mentionné par les sources sur Mani, qui l'appelle l'Ardahang. On pense maintenant que la forme correcte, c'est Arjang, et on n'a toujours pas d'étymologie satisfaisante. Enfin, c'est transcrit en copte en grec comme eikon, c'est l'image,
qui était considérée comme une des 9 œuvres canoniques de Mani. Mani avait laissé 8 œuvres écrites et une œuvre picturale, et qui avait un statut canonique égal dans les écritures manichéennes. Retrouver l'Arjang, ou du moins une copie. Alors, je rappelle que Mani a vécu d'environ 216 à 276 en Mésopotamie sous la domination sassanide et qu'il a beaucoup voyagé dans les régions orientales de l'Empire. Alors, trouver où étaient retrouvés les derniers manichéens. Les derniers manichéens n'étaient pas les cathares albigeois comme on a pensé jusqu'à assez tard, juste dans les années de la grande excitation occitaniste, encore dans les années 70, on pensait que c'était eux. Bon, depuis, on a démontré, notamment Michel Tardieu, ça n'avait pratiquement rien à voir. C'est les inquisiteurs qui les avaient baptisés manichéens. Ils n'étaient pas authentiquement rattachés au manichéisme. Les derniers manichéens sont morts en Chine. Quand et où ? Alors, depuis 1957, on savait en Chine, mais l'information n'est passée en Occident, je crois, qu'à partir de 1988, que le dernier monastère repérable était dans une province de la Chine du Sud, Fujian, c'est-à-dire donc ici, c'est la zone côtière en face de Taïwan, aux environs de ce qui était le grand port commercial du Moyen-Âge, Tianzhou, ici. Ce monastère, il existe encore, enfin il avait été saccagé à la Révolution culturelle, mais il a depuis été restauré. Il a été abandonné depuis longtemps quand on l'a repéré, mais il contenait une statue de Mani, sur laquelle je vais revenir, identifiée par une inscription, Mani le Bouddha de lumière. La dernière inscription du monastère est de 1445. Il est encore mentionné dans un texte comme temple de Mani en 1615, après quoi, à une date inconnue, le lieu est abandonné, mais conserve une statue de Mani, iconographiquement bien reconnaissable, bien distincte du Bouddha, car il a une longue barbe, ce qui est le cas de toutes les représentations de Mani, y compris sur son sceau probablement authentique, qui se trouve chez nous à la Bibliothèque nationale, récemment identifié par Jujana Gulashi, et également ce symbole ici, sur son vêtement, typique de l'iconographie de Mani. Alors, il y a toujours une inscription qui l'identifie comme Mani, le Bouddha de lumière. Les gens sur place ne savaient plus ce que c'était, mais il y avait quand même toujours un folklore attaché à cette statue. Alors, il y a dû y avoir ce monastère, devait être un parmi plusieurs, qui ont disparu au XVIe, XVIIe siècle, certains abandonnés, certains absorbés par des monastères bouddhiques. En tout cas, c'est tout près de là, à Fuzhou, que Marco Polo, Fuzhou ici, en 1290, avait rencontré un groupe de gens qui se disaient chrétiens et que lui-même avait fait enregistrer comme chrétien dans l'administration impériale, mais dont Pellio a démontré que c'était en fait des manichéens. C'était des manichéens qui se présentaient comme chrétiens de façon à bénéficier de la protection impériale du pouvoir mongol. Alors, on a aussi supposé, d'après la biographie non officielle du fondateur de la dynastie des Ming, biographie étudiée par Christopher Schipper, la dynastie des Ming qui prend le pouvoir au XIVe siècle après les Mongols, ça veut dire lumière, on a supposé que le fondateur de la dynastie, qui d'après les histoires officielles était un ancien bonze, aurait en fait été issu d'une secte manichéisante. Alors, après la redécouverte donc, de ce monastère près de Tianzhou, on s'est dit, on va peut-être trouver des survivants contemporains. Où les chercher ? Taïwan, en face. On trouve toute la Chine à Taïwan. On les a cherchés, on ne les a pas trouvés. Mais tout dernièrement, l'affaire a rebondi, car dans une province voisine, au Kutien, on a découvert un groupe d'exorcistes taoïstes qui utilisent encore, comme texte magique, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est, un corpus de textes manichéens
transcrit en chinois, les manuscrits Xiapu. Il était nullement évident que les écritures se soient conservées aussi longtemps que les images. Et pourtant, c'est le cas. Et alors, ce qui est extraordinaire avec ces manuscrits Xiapu transcrits en chinois, c'est que Yutaka Yoshida a pu, par rétroversion, retrouver derrière des prières manichéennes en langue parthe, langue iranienne, qu'on n'a pas en parthe. On a des versions différentes. Donc, voilà, on peut presque... Ces exorcistes taoïstes ne savent rien sur le manichéisme. Ils cherchent surtout apparemment actuellement à monnayer leurs manuscrits. Mais d'une certaine façon, du point de vue de l'utilisation rituelle, on peut dire que le manichéisme n'est pas tout à fait mort. Alors, je reviens sur la question de la peinture de l'Arjang. Un nouveau rebondissement s'est produit grâce à deux savants japonais. En 2006, Takeo Izumi, puis à partir de 2010, Yutaka Yoshida, qui ont identifié comme peinture manichéenne des peintures qui étaient déjà connues au Japon, tableaux sur pièces de soie suspendues. Il y a en plus trois fragments, le tout donc étant au Japon, où ces peintures étaient considérées comme bouddhiques, conservées dans des monastères bouddhiques ou dans des musées et collections privées. En plus de cela, un fragment a été récemment identifié au musée asiatique de Los Angeles, et il y en a encore un nouveau, dont Yutaka Yoshida va nous présenter la primeur ici, la semaine prochaine. Alors, ces peintures forment un groupe cohérent, datable d'entre le XIIe et le XIVe siècle, disons fin de l'époque Song, époque Yuan mongole et début de l'époque Ming, datation établie sur critères stylistiques et épigraphiques. Le lieu de production est en effet indiqué par une dédicace chinoise, c'est Ningbo, au Zhejiang, un peu au sud de Shanghai, donc toujours la même zone. Alors, du coup... Comment ces peintures ont-elles pu arriver au Japon ? On peut hasarder des hypothèses. La première publiée en 1930, c'est celle-ci, une icône de Mani, publiée en 1937 dans une revue japonaise, disparue depuis. 1937, c'est l'année où l'armée japonaise a occupé les ports de la Chine du Sud. Donc, on peut peut-être faire l'hypothèse que l'arrivée de ces peintures au Japon a un lien avec ces événements. En tout cas, les acquéreurs, quels qu'ils soient, de ces peintures en 1937 ou autour de 1937, pensaient que c'était bouddhique, n'avaient aucune idée de ce que c'était manichéen. Alors, il y a une exception, c'est cette peinture-là, qui, je vous le donne en mille, ne représente pas Mani, mais Jésus. Jésus comme l'un des quatre prophètes reconnus par le manichéisme, qui reconnaît comme prophète Zoroastre, le Bouddha, Jésus et Mani. C'est Jésus parce qu'il n'a pas la longue barbe de Mani, et là, bon, c'est pas bien net sur la photo, mais il tient la croix. Et cette peinture a été... Là, il n'y a pas eu de perte de sens, parce qu'elle apparaît au Japon en 1615, en possession d'un samouraï, d'un chef militaire chrétien. Donc, là, on savait encore vraisemblablement que c'était Jésus. Alors, bon, on peut supposer qu'au XVIe, XVIIe siècle, tous les monastères manichéens avaient été disparus ou convertis en monastères bouddhiques. Ces objets... probablement été considéré comme un peu embarrassant parce que un lettré bouddhique pouvait bien comprendre que ça n'était pas bouddhique et pouvait même savoir que probablement que c'était manichéen. Donc, il y a dû y avoir des ventes, puis finalement, un enlèvement final vers 1937. Alors là, ces peintures ont une grande cohérence stylistique, donc il est possible... qu'elles proviennent d'un seul monastère ou d'un seul groupe de monastères. Certains auteurs aujourd'hui parlent de l'école de Ningbo, puisque ce nom est mentionné par la seule inscription, par une inscription. Alors, j'en reviens toujours à l'Asie centrale. Quel lien avec l'Asie centrale ?
Ces communautés du sud de la Chine apparaissent pour la première fois, sont mentionnées dans des textes, en 1120 à Wenzhou. Les derniers manichéens, les dernières attestations de manichéens dans ce qui a été auparavant leur grand centre politique, le royaume ouïghour de Kocho, c'est la seule fois dans toute l'histoire où les manichéens ont pris le pouvoir, hein, puisqu'ils étaient la religion officielle des Ouïghours pendant un certain temps, a été le manichéisme. Les derniers sont attestés vers 1024. Donc, il y a dû y avoir une translation à ce moment-là. On peut peut-être supposer aussi que cette migration a été renforcée au XIIIe siècle, si à Kocho existait encore des survivants à ce moment-là, lors des guerres entre Kubilai Khan et Kaidu, son rival de Mongolie, parce qu'on a la preuve qu'effectivement, à ce moment-là, des chrétiens ont quitté Kocho et se sont établis à Suanzhou. On le sait par les épitaphes. Donc, si des chrétiens sont arrivés à ce moment-là dans le cadre de ces bouleversements politiques, il n'est pas impossible de penser qu'il y ait eu un renfort de manichéens aussi. Alors, à Paris, nous avons été très privilégiés parce que nous avons eu droit très tôt à une présentation de ces documents. Dès 2010, juste après avoir fait ces découvertes, Yutaka Yoshida est venu nous faire des conférences à l'EPHE et il vient de faire paraître, en 2015, un livre sur l'ensemble de ses peintures, Studies of the Chinese Manichaean Paintings of South Chinese Origin Preserved in Japan. Et ce livre contient les meilleures photos jamais réalisées de ces peintures, qui ne sont pas faciles à photographier parce que c'est de la peinture sur soie, ce n'est pas évident, ça fait des reflets, et elles sont assez usées, il y a des repeints récents, etc. Alors, en 2011, Zhujana Goulashi, à mon invitation, est venue nous donner également des conférences à l'EPHE. C'est, disons, à côté de Yutaka Yoshida, on peut dire aujourd'hui que c'est la principale chercheuse qui travaille sur ce dossier. Elle avait déjà beaucoup travaillé avant ses découvertes, sur le dossier des fragments manichéens du musée de Berlin, dont elle avait publié le catalogue. Alors, l'année dernière, elle a donné un article synthétique dans le Bulletin of the Asia Institute avec son mari Jason Bedoun, qui est venu nous donner une conférence ici à mon invitation l'an dernier, mais ce n'est pas précisément sur Mani, c'est sur Saint-Augustin, dont il est un grand spécialiste. Évidemment, par Saint-Augustin, il a été amené aussi à rencontrer le manichéisme. Et puis, Zhujana vient de sortir un livre sous son seul nom, Mani's Pictures, où là, elle reprend tout l'ensemble du dossier, depuis tout ce que les sources écrites nous racontent sur les images, sur les peintures manichéennes, jusqu'à l'analyse de la totalité des peintures connues aujourd'hui. Alors, je reviens sur ces cinq panneaux de soie qui sont complets et qui sont, comme vous voyez, de dimensions comparables. C'est indiqué ici. La largeur, à peu près 60 cm, c'est très simple. C'est la largeur du métier à tisser. C'est une contrainte technique. Si on veut parabouter ensemble plusieurs morceaux de soie, on ne peut pas faire plus large que ça. Et voilà. Donc, la longueur est en général 1,60 m, 1,80 m. Donc, évidemment, c'est un format qui se prête très bien à l'enseignement. Parce que c'est à peu près haut comme cet écran que j'ai derrière moi. On va voir d'ailleurs des images de peinture analogue qui servent encore aujourd'hui à l'enseignement dans le bouddhique. Alors, deux de ces peintures sont des images de culte. L'une donc représente Mani, c'est celle qui était au Japon qui a disparu. Une représente Jésus. Là, ce sont vraiment des icônes. Une autre ici, un peu distincte sur la photo, représente en fait la vie de Mani jusqu'à l'établissement de la communauté, les enfances de Mani. Ici, on a une série de scènes relatives au salut de l'âme individuelle, avec un tribunal des morts ici. Bon, on ne voit pas bien sur la photo, mais j'ai d'autres, on le reverra plus tard. Et ici, la plus sensationnelle, la plus synthétique, le grand diagramme de l'univers, voilà ce que j'ai appelé le PowerPoint de Mani. Le voici. Alors, ce grand diagramme est de tous,
la composition la plus ambitieuse. Il comporte 900 objets animés ou inanimés, dont 458 personnages humains, qui sont soit des divinités particulières, soit des protagonistes anonymes dans des groupes. Alors, une lisibilité maximale est possible maintenant grâce aux illustrations digitales qu'a fait réaliser Zsuzsanna Gulácsi. Alors, on pourrait presque dire d'une certaine façon, c'est déjà informatisé dans l'original. C'est un art extrêmement conceptuel, extrêmement désincarné. Vous voyez, les figures humaines n'ont aucun caractère individuel. Elles ne s'identifient que par des attributs. Cet ensemble était impossible à comprendre tel quel. Il ne pouvait se comprendre qu'avec des explications orales données par un érudit manichéen, qui était forcément donc, un élu membre de la classe supérieure des manichéens, parfaitement au fait des écritures et des mythes. Mais alors, d'un autre côté, on se rend compte que cette peinture n'est pas lisible sans les textes, mais les textes ne sont pas intelligibles sans le support graphique. Tous ceux qui ont fait l'expérience comme moi, avaient cherché pendant des années à comprendre quelque chose à la cosmologie manichéenne. C'est vraiment, quand on commence à essayer, quand on commence à s'y plonger, c'est d'une confusion, enfin c'est pas confus au contraire, c'est extrêmement structuré, mais c'est un extraordinaire foisonnement, manie justement, brouille les pistes exprès, on a des personnages qui réapparaissent, des sauveurs qui réapparaissent les uns après les autres, alors d'une certaine façon c'est le même, certaine façon c'est un autre, bon, c'est impossible à synthétiser, et puis quand on a ça, on comprend. Et c'est l'expérience qu'a faite Jean-Daniel Dubois au moment où ses peintres, où Yutaka nous a donné ses premières conférences à Paris. Il nous a tout de suite dit, eh ben voilà, le vrai manichéisme, il est là. Parce que jusque les études manichéennes, depuis un certain nombre d'années, avaient tendance à se fragmenter parce qu'on se concentrait beaucoup plus sur des mythes, des histoires, des apologues, qui étaient en fait des adaptations de l'enseignement manichéen à diverses cultures, où la substance se diluait un petit peu. Et là, on a le noyau solide. On remonte à Mani. Alors, Zsuzsanna Gulácsi, outre qu'elle a donc réalisé cette aide digitale à la lecture, a apporté récemment une autre contribution majeure à l'intelligence de cette peinture. Elle a rabouté le bout supérieur. C'était considéré comme un fragment et on était un peu dérouté parce qu'on n'avait pas tout à fait le bon étagement du cosmos. Normalement, tout en haut, il faut deux terres paradisiaques suprêmes, une qui est le nouvel éon et celle qui est au-dessus, qui est la terre de lumière, le paradis de lumière. Et elle a montré qu'en fait, le paradis de lumière, il est là. C'était un fragment qu'on pensait séparés, venant d'une autre œuvre, mais en fait, elle a montré que ça venait de la même peinture. Donc, on a ici le nouvel éon, qui est donc, peut-on dire, je reviendrai là-dessus, donc c'est la station, c'est un peu l'équivalent du paradis zoroastrien, c'est la station où séjournent les divinités, et au-dessus, la terre de lumière. Est-ce que c'est bien comme ça qu'elle l'appelle ? Le royaume de lumière, on peut dire aussi la terre de lumière, où siège au centre le père de la grandeur qui s'est dévoilé aux éons, la divinité suprême. Bon, alors évidemment, ici, dans cette brève conférence introductive, je ne vais pas rentrer dans le détail, je renvoie aux publications de Yutaka. Alors, les publications de Yutaka sont surtout en japonais, mais il y a aussi tout de même des publications en anglais, et aux publications de Zsuzsanna Gulácsi. Ce qu'on peut dire, c'est que la structure générale de ce cosmos est celle du Macranthropos. C'est dit dans les textes manichéens,
dans les textes de ce qu'on appelle les kefalaya en copte, qui sont des textes produits en Égypte par la première génération de ses disciples. Et Joujana Goulachi l'a très bien démontré à propos de cette peinture. Ce que vous avez là, c'est un corps humain. Vous avez donc la tête, ici. C'est l'homme primordial reconstitué, donc dans la présentation de la sotériologie manichéenne. Le cou, ici, c'est la colonne de lumière où les âmes vont accomplir, les particules de lumière, qui sont donc les âmes égarées dans la matière, vont accomplir leur ascension. Vous avez ici c'est la cage thoracique, ce sont les 10 firmaments emboîtés. Vous avez ici le nombril, qui est le zodiaque, sur lequel je vais revenir. En dessous, les viscères, qui sont les serpents entrelacés du cycle des réincarnations. Plus bas, le phallus, avec la montagne suprême, le mont Sumeru. Et à droite, les cuisses, qui sont des colonnes. C'est très schématique, mais bon, c'est une vision du corps humain comme microcosme du cosmos. Alors, donc, de bas en haut, on a tout l'étagement du cosmos. En bas, les 8 terres souterraines, surtout peuplées de créatures démoniaques. Plus haut, la surface de la Terre autour du mont Sumeru. Je vais revenir là-dessus. Ici, l'atmosphère, donc sublunaire, avec le cycle des réincarnations visualisé par un nœud de serpent. Les 10 firmaments par-dessus, avec ici le zodiaque, qui est en bas, puisqu'il est donc la route de transmission entre le destin céleste et le destin terrestre. Et donc l'ascension des particules de lumière qui finissent par aboutir dans des faisceaux et dans les 2 stations de la Lune et du Soleil. Et la colonne de gloire finit par reconstituer de toutes ces particules de lumière qui montent, se reconstitue l'homme primordial ici. Et la reconstitution de l'homme primordial ouvrira la voie du salut universel. Plus haut, donc, le nouvel éon, station temporaire des divinités, préside le troisième messager entouré des 12 vierges de lumière. Vous voyez que personne n'est individualisé. Hein, c'est... Et au-dessus, le royaume de lumière où siège au milieu le père de la grandeur avec un dé par-dessus lui. Il vient de dévoiler, le salut étant accompli, il dévoile son irradiance aux créatures célestes qui sont les éons. À tous les niveaux, alors cette figure en blanc avec une auréole verte, c'est Mani. Il apparaît à tous les niveaux de la peinture, ici, là, comme le témoin, le transmetteur. Alors, par ailleurs, vous voyez, c'est des liens complexes d'un étage à l'autre sont créés par des langues de nuages et des diverses émanations. C'est extrêmement subtil, une mécanique extrêmement subtile qui illustre les textes. Alors, tout cela est semé de multiples scènes annexes. Alors, je montre ici, à l'étage de l'atmosphère, la rencontre de l'âme avec la rencontre de l'âme avec la Vierge de Lumière, qui va présider à son salut. Les âmes sont ici et elles sont représentées. Il y a 4 personnages, ce sont les 4 états sociaux dans les classifications chinoises. Le scribe, le laboureur, le soldat et le mandarin. Voilà, avec la Vierge de Lumière. Ici, le jugement des âmes devant un tribunal des morts. Alors là, c'est une forte influence chinoise. C'est dérivé de l'iconographie chinoise des juges des enfers. Mais on a déjà le tribunal des morts dans les textes de Mani. Alors, vous avez ici donc la Vierge de Lumière, le juge suprême, et
les diverses créatures qui sont suscitées. Alors, c'est plutôt les créatures vers lesquelles l'âme sera envoyée se réincarner en fonction de ses performances dans la vie qu'elle a vécue. Alors, ça peut être une réincarnation infamante dans un corps animal, ça peut être une réincarnation humaine, ça peut être une réincarnation dans les plantes. Et non, il y a les petits visages qui indiquent que l'âme vit dans les plantes. Tout ça est extrêmement mignon. Et puis, vous avez là, donc, autour de la, disons, sortant de cette espèce de nid de vipère ici, qui représente à la fois les viscères du Macranthropos, mais aussi le cycle infernal des réincarnations, lequel est décrit dans des hymnes manichéens en Parthe comme des bêtes féroces qui se dévorent les unes les autres, l'océan du samsara, ces têtes de serpent avalent et vomissent des petits corps nus. C'est l'âme happée par le cycle des réincarnations et lâchée dans différentes conditions selon le degré de pureté qu'elle aura eu dans la vie terrestre. Les seuls qui échappent au cycle des réincarnations, eh bien, ce sont les élus manichéens, de la même façon que dans le bouddhisme, les seuls qui échappent aux réincarnations, ce sont donc les bouddhas. Alors, je présente maintenant donc la surface de la Terre. Alors, c'est une iconographie extrêmement riche. Est-ce qu'elle est... Attends. Ah non, il faut que j'aille... Voilà. La surface de la Terre se trouve ici, autour du mont Sumeru, avec un océan qui entoure l'univers et quatre quartiers divisés par des bras de fleuve. Et chacun de ces quartiers est peuplé de scènes. Alors, vous avez ici au quartier nord, alors là, ce sont des scènes dont on retrouve la clé dans les textes manichéens. Vous avez ici un personnage qui s'appelle Adamas Lumière, qui est un des cinq fils de l'esprit vivant, qui a été envoyé pour assister les âmes engluées dans la matière. Et ici, de sa lance, il transperce un monstre, vous voyez ici. Ce monstre est issu de la partie irrécupérable du sperme qui est tombé des cieux. Et la partie récupérable du sperme a produit les plantes qui, à leur tour, absorbent les particules de lumière. Eh bien, les petits visages, ce sont les particules de lumière. Ce sont donc les âmes. Alors, justement, donc, ces particules, ces créatures vivantes, issues de ces engendrements, ce sont parfois des humains à aspect humain, mais parfois ce sont des monstres. Voyez, là, il y a un animal, une chèvre. Là, il y a un monstre à multiples bras. Là, il y a un monstre à multiples têtes. Bien. À l'est, une scène énigmatique que Jujana Gulashi propose d'interpréter comme des illustrations du livre d'Enoch, lequel a été utilisé par Mani, qui l'a inspiré pour le livre des géants. Un personnage écrasé, un démon écrasé sous un roc et un autre sur une montagne. Mais Yutaka Yoshida a une autre interprétation pour cette scène. Alors, je vous fais remarquer que dans cet art, les seuls personnages qui ont des visages expressifs, ce sont les démons. Vous voyez, ici, on en voit... Il y en a qui sont d'ailleurs vraiment amusants. Voilà. Des démons avec leurs grosses têtes ici. Alors là, ils sont souvent très drôles et pittoresques, alors que les personnages humains n'ont aucune espèce d'expressivité. Alors, évidemment, on peut dire... regarde ici, là, les démons, ce sont des enfers avec des démons aux gros yeux globuleux qui crachent du feu. On peut vraiment dire que c'est un art très manichéen. L'horreur de la chair, l'horreur de la création et, au contraire, la passion pour la monstruosité et le démoniaque, c'est totalement en symbiose avec l'esprit de ce message religieux. Je dirais que les personnages humains, ce sont des poupées Barbie. Ils n'ont aucune personnalité, on les habille avec quelques attributs. Ce sont les démons qui ont,
Voilà, en voilà un aussi ici. Alors, on peut en venir maintenant à des hypothèses donc sur les rapports avec l'œuvre autographe de Mani, donc avec l'argent. Quand Yutaka Yoshida a fait ses découvertes, il nous a déclaré « I found the Arjang ». Alors, lui-même et un autre savant qui travaille actuellement sur ce sujet, le savant hongrois Gábor Kossa, considèrent que le diagramme de l'univers était en fait, aurait pu être le panneau central d'un triptyque qui aurait rassemblé tout l'enseignement manichéen sur la structure et l'histoire du monde. Et lequel triptyque aurait été lui-même très proche de l'enseignement graphique de Mani. Alors, on aurait donc eu à gauche l'état primordial, ce qu'on appelle donc dans les écritures manichéennes le temps antérieur, où le bien et le mal étaient séparés. Au milieu, ce que nous avons, le temps du mélange, qui s'étale entre la chute et le salut final, le salut des âmes individuelles, et à droite, le troisième temps, qui aurait été le jugement dernier, la combustion du monde et le retour à la séparation des deux principes. Ah oui, alors à propos de la chute, j'ai oublié de vous mentionner que dans les quatre quartiers de la Terre, donc voilà ici, donc ici Adamas Lumière, ici les monstres, ici peut-être des scènes du livre d'Enoch, le quartier sud, assez énigmatique. Bon, j'ai suggéré à Jujana Gulashi l'hypothèse que c'était peut-être un résidu du mythe d'Adam et Ève, lequel mythe est très curieusement absent. Le mythe de la chute, le mythe de la création d'Adam et Ève, qui est présent, très présent dans les écritures manichéennes, est curieusement absent de ce tableau. Or, ici, vous avez un serpent, vous avez un démon, et c'est le seul des quartiers qui est traversé par une rivière. Donc, je n'exclus pas qu'il y ait là un aboutissement déformé et réduit du jardin d'Éden. Alors, Gulashi a une autre interprétation sur la genèse de ce grand tableau. Pour elle, les rapports avec l'argent seraient quand même très indirects. L'examen des sources écrites tend à indiquer que l'argent, enfin ses copies, semblait effectivement encore connu et disponible dans les premiers temps du manichéisme. Alors on raconte que Mani avait ce tableau avec lui dans sa prison où il est mort, et que le tableau a été exfiltré après sa mort. Voilà, c'est ce qu'on raconte. Mais on sait aussi qu'à l'époque abbasside ont été provoquées des autodafés massives de textes manichéens et notamment de tout ce qu'on pouvait trouver comme image. La dernière mention de l'Arjang serait dans la bibliothèque de Ghazna au XIe siècle. Bon, c'est pas contrôlable. C'est pas contrôlable. Donc, voilà, on aurait perdu le modèle complet. Par ailleurs, autre argument de Gulashi, l'Arjang ne pouvait être en aucun cas une pièce de soie suspendue, tout simplement parce que dans le milieu où Mani a prêché et dans les premiers milieux manichéens, notamment en Égypte, bon, ce type d'instrument d'enseignement est inconnu. Les seuls instruments d'enseignement possibles auraient été soit un rouleau de parchemin, soit un codex. C'est seulement à partir du royaume ouïghour, 9e-10e siècle, qu'auraient été réalisées des recompositions qui pouvaient utiliser des descendants partiels de l'Arjang et aussi des nouvelles compositions inventives inspirées directement des écritures. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait eu recours au format nouvellement disponible en Chine du grand tissu de soie. Alors on a un magnifique exemple à Kucha, dans une peinture bouddhique. C'est un personnage donc qui tient un tissu de soie qui représente
la légende de la naissance du Bouddha, hein, avec sa mère qui accouche par le flanc, et puis les, voilà, sa mère ici, la première méditation du Bouddha, etc. Et qu'est-ce qui est montré là? C'est évidemment, c'est une image d'image. On nous montre là un instrument d'enseignement bouddhique. Et cet enseignement existe encore aujourd'hui au Japon. C'est ce qu'on appelle l'etoki. C'est pratiqué dans la secte d'Amitabha, la secte de la terre pure. Alors, dans certains cas, effectivement, on utilise un rouleau, et dans certains cas, un tableau avec un pointeur, et vous constatez que le format de ces tableaux correspond au format du diagramme de l'univers. Alors, je voudrais quand même faire quelques remarques sur la proposition de Gulashi. Bon, il est certain qu'il y a eu, dans l'œuvre que nous avons, il y a évidemment des innovations par rapport au stade premier remontant à Mani. Ne serait-ce que l'insertion répétée de la figure de Mani n'aurait sans doute pas été possible de son vivant, dans une œuvre issue directement de sa commande. Par ailleurs, je l'ai dit, les scènes de jugement des âmes sont fortement inspirées des images chinoises des juges des enfers. Il y a aussi incontestablement des pertes dans la transmission de certains motifs, celui d'Adam et Ève qui n'existe peut-être plus qu'à l'état résiduel. Mais à côté de cela, il est incontestable qu'il y a des éléments traces qui subsistent avec une tenace fidélité depuis probablement les modèles mésopotamiens. Vous avez par exemple, je compare ici l'ascension des particules de lumière dans le faisceau et ici la manière dont c'est représenté plusieurs siècles avant dans les peintures de Kocho. C'est exactement la même convention. Bien. Alors voilà, vous avez ici les particules de lumière qui sont dans les... Ça, c'est dans un manuscrit manichéen de Kocho et on a le même symbole avec les petites lunules dans notre peinture. Également, le symbole des particules de lumière emprisonnées dans la végétation. Ici, à Kocho, alors là, c'est la particule de lumière... En fait, c'est l'âme qui occupe la position centrale et la référence végétale sous forme de pousses qui en sont issues. Et là, c'est l'inverse. La position centrale est occupée par la plante et les âmes sont des petites têtes qui en sortent. Donc, on voit très bien qu'il y a vraiment des continuités. Et puis, alors, surtout, le plus spectaculaire, c'est tout de même ici le zodiaque, parce que ce zodiaque, si toute cette iconographie avait été une production secondaire, ce zodiaque serait le zodiaque indien ou le zodiaque chinois. Or, c'est notre zodiaque. C'est le zodiaque occidental, disons gréco, enfin le zodiaque dit chaldéen, qui par les Grecs est passé dans notre culture. Et vous voyez, bon, malgré quelques déformations, c'est très reconnaissable. Vous avez ici le cancer, vous avez ici la Vierge, bon, on ne la voit pas très bien. Vous avez ici le taureau, hein. Là, des gribouillis qui sont le résidu du lion et des gémeaux. Là, vous avez le bélier, là, les poissons. Là, le verseau, c'est un petit personnage qui tient une grosse jarre. Là, le sagittaire, exprimé par un arc et un gorille, enfin, un arc et des flèches. Ici, le capricorne. La position respective du sagittaire et du capricorne est inversée, mais ce n'est pas très grave. Ici, le scorpion et ici, la balance. Donc, visiblement, les gens qui ont peint cela n'étaient plus familiers de ces zodiaques, cette forme de zodiaque qui n'était pas utilisée en Chine, mais ils avaient un modèle. Et ce modèle remontait à la Mésopotamie, de l'époque de Mani. Alors, je dirais aussi que... Je ne suis pas très convaincu par l'argument de Gulashi selon lequel, au début de l'enseignement manichéen, on aurait nécessairement utilisé le rouleau ou le codex. Pour présenter de manière synthétique un enseignement aussi foisonnant que celui de la cosmologie manichéenne,
il y avait, je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'autres alternatives à celle du grand panneau, du grand tableau synthétique. Par ailleurs, les Kefalaya, ces textes dont j'ai parlé, produits en Égypte, disons, dans la génération qui suit Mani, font allusion précisément à la disposition de telle ou telle figure. Ils disent clairement « le père de la grandeur sera au-dessus de… » Donc on voit très bien qu'ils ont, un support graphique derrière eux. Alors, bon, certes, à l'époque de Mani, le support du grand tissu de soie n'est pas encore utilisé, mais pourquoi nécessairement des tissus de soie? On pourrait très bien imaginer, par exemple, un tissu de coton ciré, traité en batik. Et on sait que ça existait. Voilà une peinture qui représente une scène d'investiture avec le roi couchant Huvishka. On est à la fin du IIe siècle, c'est-à-dire on est une génération avant Mani. C'est produit en Bactriane, pays où Mani a voyagé. C'est un batik, c'est un tissu de soie enduit. La dimension restituée de ce tissu, c'est 1,5 fois la dimension du diagramme de l'univers. Donc, il pouvait avoir des supports comme ça. Alors, vous me direz, il n'y a que 7 personnages, il n'y en a pas 450. Mais quand vous voyez le degré de finesse de l'exécution, et je peux vous le dire, j'ai vu l'original qui était présenté dans une galerie d'art à Paris il y a quelques mois, on se dit que... un panneau à scènes multiples n'aurait pas été du tout au-delà des forces de l'artiste qui a produit cela. Alors, je conclurai en disant que on n'a pas fini d'entendre parler de l'art manichéen. Là, dans la semaine prochaine, nous apprendrons qu'une nouvelle œuvre est identifiée. Il y en aura certainement d'autres. On saura sans doute mieux dans l'avenir comment, quand, en quelles circonstances ces œuvres sont sorties de Chine pour arriver au Japon. Déjà, l'art manichéen est en train de faire des petits. Et des petits pas toujours légitimes. Voilà un plat sassanide qui a été publié récemment dans la collection de l'émir du Koweït, alors publié par ma collègue du Metropolitan Museum, Prudence Harper, qui est une éminente spécialiste de l'iconographie des plats sassanides. Et c'était sensationnel, on m'a tout de suite prévenu, ça y est, il y a une œuvre manichéenne d'époque sassanide, puisqu'ici, on a l'ascension des particules de lumière dans les petites lunes, c'est exactement ça. Sauf que ça n'a rien à voir avec le manichéisme. J'ai pu démontrer avec Samra Azarnouche et maintenant des collègues du Centre d'études Alexandrine que c'est tout simplement un patchwork d'images célébrant l'Égypte. C'est-à-dire qu'on a ici Isis, protectrice des marins avec sa rame. On a ici le Nilomètre avec les figures des petits personnages qui normalement inscrivent la côte sur le Nilomètre, mais qui là ont été disloqués et reconstitués en scène burlesque. On a ici Sérapis, Apis, et ici Isis, Hathor. Isis est sur un pont qui représente évidemment le Nil avec 7 arches, les 7 bras du Nil. Et ce qu'on a en haut, ce n'est pas du tout l'ascension des particules de lumière. Si vous voyez bien, ces personnages portent des sacs sur les épaules. C'est le transport de la récolte dans une barque qui célèbre la fécondité du Nil. Mais donc, l'impact de la redécouverte de cet art manichéen a été tel que maintenant, on est en train de le chercher partout. Voilà. J'en ai terminé. Il reste un petit peu de temps si vous avez donc des questions. Et puis, on attend évidemment avec beaucoup d'impatience les deux conférences de Yutaka. Donc, cet après-midi, sur les Sogdiens bouddhistes et leurs textes. Et dans une semaine, sur l'identification d'une nouvelle peinture manichéenne au Japon. Voilà, je vous remercie. Et bien sûr, j'attends vos questions. Et questions qui peuvent bien sûr être également posées à Yutaka, qui comprend très bien le français et parle parfaitement l'anglais.